Alors la vidéo que vous allez voir là, juste maintenant, on l'a tournée en extérieur. Et il y a plein de petits copains, plein de petits fans qui nous ont reconnus. C'était très sympa, hein, Téna. Mais du coup, voilà, il y avait de l'ambiance, hein. Ça bougeait un petit peu. Des fois, les fans touchaient la caméra. Bon, c'est rigolo. En tout cas, on fait des gros bisous à ceux qui étaient avec nous. Voilà, à la fin, ils étaient 8, 9, 10, je sais plus. En tout cas, c'est bien amusé avec ce qui va suivre. Regardez, c'est maintenant. Oui. Top générique. Allô Athéna, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Il fait beau aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Bonnes vacances à tous, voilà. Donc aujourd'hui, tu tiens un jeu de société. Je vais me mettre là. Coucou, comment ça va? Ça va. Je parle aux petits copains. Alors, nous avons un jeu de société qui s'appelle Déjà Vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et c'est Gigamic qui fait ça. Merci à Gigamic de nous avoir envoyé ce jeu. Voilà, ça fait plaisir, c'est rigolo. Donc, c'est entre 2 et 6 joueurs. Normalement, c'est à partir de 8 ans. Mais alors, Athéna a dit qu'elle voulait absolument essayer ce jeu parce qu'elle trouvait ça rigolo. Et finalement, je trouve que ça ressemble un petit peu à, vous savez, ce jeu avec les formes sur des cartes rondes. C'est double, hein, je crois, avec la main là. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Enfin, c'est pas la même chose, mais ça fait travailler l'observation et aussi la mémoire en plus. Et Athéna est plutôt bien équipée au niveau de la mémoire. Donc on va voir si tu vas y arriver. Et ça, c'est les petits lots à gagner éventuellement. Voilà, on va certainement pas tout ouvrir. Tu choisiras l'eau que tu veux. Voilà, ça sera soit l'eau parce que tu gagnes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de Kinder. Oh oui, c'est vrai. Ça sera soit l'eau que tu gagnes, soit l'eau de consolation. Alors c'est parti, moi j'ouvre la boîte. Eh, regarde. C'est... Oui, ben oui, c'est des mignons. Mais... Moi, c'est méchant 3. Le personnage, il a un petit pinceau sur cela et après, on peut choisir le rouge ou le bleu. Ça fait du bien, les petits copains, on dirait que c'est une sirène en plus. Ça y est, voilà, regarde, c'est ça qu'on appelle les tuiles. Alors, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Regarde, tadam, voilà. Il y a 36 cartes, comme ceci. C'est moi qui les dispose. On les dispose à l'envers ou à l'endroit? À l'endroit. Ça marche, je sais pas s'il y a un envers, non, il y a... Alors, à l'envers ou à l'endroit? À l'envers ou à l'endroit? Par contre, je suis en train de réfléchir parce que ça va être trop petit là, du coup. Alors... Oh, il y a une cloche! Un donut! Oui, il y a un donut! Bon, Athéna est en train de disposer les tuiles. Un canard! Comme elles sont assez grosses, je pense qu'on va essayer de le mettre là et puis sur le banc également, ici. Alors, pendant que tu disposes, moi je vais expliquer le jeu. Alors... J'ai une idée, je les esparpille un petit peu, comme ça il y a un petit peu plus de place. Donc on mélange les cartes qui sont ici. À chaque tour, il y a une carte qui est retournée. Si vous pensez que vous voyez un objet pour la seconde fois, parce qu'il y a deux fois par exemple la banane sur toutes les cartes, il y a deux fois la banane, il y a deux fois la rose, il y a deux fois la clé, pas plus, pas moins. Et quand on pense que c'est la deuxième fois qu'un objet, un des 36 objets apparaît, à ce moment-là, on prend l'objet en question. Si je pense qu'il y a deux fois le chapeau qui est sorti, je le prends. Par contre, si par la suite le chapeau ressort, donc pour la deuxième fois pour le coup, eh bien on a perdu, normalement on est éliminé. Nous on continuera, mais voilà, on perdra un point. On va faire, de toute façon on va faire un petit peu comme on le sent, parce qu'on n'est que deux, donc ça va être assez facile. Mais attention, en cas d'erreur vous serez éliminé de la manche. Celui qui aura récolté le plus d'objets à l'issue des trois manches sera déclaré vainqueur. Donc on mélange les cartes, on en met trois de côté sans les regarder. Placez le reste des cartes en pile face cachée au centre de la table en laissant un peu de place à côté pour la pile de défausse. Étalez les 36 objets autour de la pile. Regardez les petits copains, je les mets plein alors qu'il y a de la place quand même. Bravo. Parce que c'est normal, j'essaie de faire de la place, mais ils ont un petit peu serré. Donc on met les 36 objets autour de la pile de façon à ce que chacun puisse les attraper. Et à leur tour, dans le sens horaire, chaque joueur retourne une carte et la place face visible sur la défausse. Il faut tenter de bien mémoriser les objets qui apparaissent. Un petit rouge à lèvres. Attention à ce que seule la dernière carte soit visible sur la pile de défausse. On ne doit pas voir celle d'en dessous. Forcément, pour faire travailler la mémoire. Alors chaque objet apparaît exactement deux fois dans la pile de cartes. Dès qu'un objet apparaît pour la seconde fois lors du même manche, une fois que le premier a attrapé l'objet correspondant au centre de la table, le joueur qui a attrapé l'objet en premier le place devant lui, face visible. Il est possible d'attraper un objet à n'importe quel moment, même s'il n'apparaît pas sur la carte qui vient d'être retournée. Ah d'accord, des fois on a un cerveau qui est un petit peu en retard, si on a un cerveau lent. Oh, cerveau lent, cerveau lent, et un cerveau lent, où ça?
Non. Si on a un cerveau qui est un petit peu lent, qui n'est pas très rapide. Oh d'accord, pardon, j'ai pas compris. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut prendre l'objet n'importe quand. Voilà, tout simplement. Ah, par contre, il Coco Victor par Non, il est dans ma classe. Il est dans ta classe, oui, j'ai un petit copain de ton école. Allez, c'est parti, je bats les cartes. Voilà, comme ceci. On mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. On prend les trois cartes du dessus, Athéna, sans les regarder. Ce sera pour la fin. Voilà, on respecte les règles du jeu. Et maintenant, les cartes, on les met où? Je les mets là. Là, ici. Comme ça, c'est toi qui retournes une carte par une. Donc, tu retournes cette carte-là et tu la mets comme ça. Face visible au-dessus. Ou comme ça, si tu veux. Alors, il y a un gilet et une poire. Tu vois? Je la montre à mon petit copain. C'est la première. Donc là, c'est la première fois qu'apparaît le gilet et la première fois qu'apparaît la poire. Donc, on ne prend pas le gilet qui est ici. Non, il n'est pas là. Bon, ok, d'accord, le gilet est là. Regardez. Là. Oh, regardez. Regardez, ils sont malins. Hein. Ils mettent des choses qui se ressemblent aussi. Et la poire, elle est là. La poire, elle est là. Mais comme c'est la première poire, on ne les prend pas. Allez, au retour. Après, je mets par-dessus. Je mets par-dessus parce qu'après, il faut que ça le cache. Voilà, ça, c'est la mémoire qui doit travailler. Tu dois te souvenir qu'il y a le gilet et la poire. Donc, une rose, un violon, une pizza. Une pelle, une boussole et des chaussures. Tout ça, c'est pour la première fois. Un hippocampe. La rose. Alors, la rose, oui. Tu crois que c'est pour la deuxième fois? Oui. Je pense aussi. Voilà, je suis même sûr. En tout cas, tu as déjà marqué un point. Alors, on continue. Ah, la poire. Ah, tu l'as eu avant moi. Alors, là, il y a le gilet. Non, c'est pas le gilet, les t-shirts, le tapac, quatre feuilles. Et la petite sonnette. Ah, oh, mais c'est bien pour t'en gagner. Et elle a trois points. Elle a trois points. C'est quoi? La boussole. Boussole. Ah, non, regarde. Je vais pas le compter, mais tu te trompes, regarde. Ils sont malins. Là, il y a une montre. Et là, il y a une boussole. C'est pas la même chose. C'est la boussole qui est sortie. Mais là, c'est la montre qui est sortie. Donc, allez, remets-la, tu vois. Je vais pas te compter le... Je vais pas t'éliminer, là. Ouais. Allez, vas-y, continue. Oui. Je l'ai. Non, non, je l'ai pas. Il est tombé. Il est tombé. Non. C'est l'hippocampe. C'est l'hippocampe. Oui, merci. Hamburger. Je l'ai. Il y avait aussi ça. Pour l'instant, t'as 5 points, j'en ai 3. Attention. Ah, le marteau, le marteau, le marteau, le marteau. Il a essayé. Le rouge à lèvres, rouge à lèvres. La boussole, la boussole. Je l'ai. Le rouge à lèvres. Non, le rouge à lèvres, ça fait qu'une fois. Ouais. Le scooter. Tadam. Attention, l'ampoule, la sonnette. Oh, la sonnette, c'est pas. Oui, vas-y. Ah, oui, bah oui, je pense que c'est la sonnette, c'est ce que j'allais dire. Ça fait deux fois. Un point de plus pour Athéna. Mais non. Ah, mais à chaque fois, Torito. Je suis en train de perdre grassement. Allez, montre. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Elle est à moi. Elle est à moi. Hey, j'ai 5 petits. T'en as combien? 10? C'est pas faille, comment t'as dit? Non, 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 non. Tu m'as piqué. Tu m'as piqué. Roller, ça fait deux fois? Oui. Tu prends le risque? Oui, parce que la première carte, il y avait aussi le roller. Ouais, peut-être, peut-être. Vas-y. Chapeau. Chapeau, chapeau. Non. Ça fait deux fois? Non, ça fait une première fois. Je le prends, mais si tu perds un point à cause des fans, attention. Ça fait une première fois, ça fait une première fois. Tu prends? Oui. Ah non, on va voir. Alors le plot. Première fois. Première fois. Violon. Oh, le diamant, mais vous l'avez vu, là. Le violon, je pense que le violon, je pense que c'est la deuxième fois si je le prends moi. Voilà. Donc là, les cartes ont toutes été retournées. Donc pour l'instant, on compte les points. Et les trois cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points pour Athéna. Et de mon côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour moi. Mais attends, parce qu'il y a. Ah oui, moins 1 pour toi, ce qui fait 14 points pour toi. Mais attends, c'est pas fini Athéna parce qu'il y a les trois cartes à retourner. On a pris au début. Alors attends, vas-y, retourne là, c'est ici. Banane et chaussures. Est-ce que quelqu'un a les bananes ou les chaussures? Non. Personne non. n'a pris la banane, ouais. Personne n'a pris les chaussures, donc pas de points en moins. Deuxième carte. Au dog. La hache, le donut, tout est ici, donc personne ne perd de points. Dernière carte. Le canard. Le canard. Il est là. La sucette, elle est là. Et le coquillage, il est ici. Donc personne ne perd de points. Donc Athéna. Bravo, tu as gagné avec 14 points et moi avec 7 petits points. Tu as gagné largement. Donc tu as le droit de prendre un petit lot. Oui, mais j'hésite entre le Kinder et le
Chabi. Bah, tu peux prendre les deux. Vas-y, prends-en deux parce que tu m'as gagné et tu m'as mis deux fois à mes points. Je vais tout manger pour pas que ça reste de fond. Ah, c'est pas la surprise. Moi, moche et méchant, froid encore. C'est une voiture de collection Sprinty, hein, certainement, de mémoire. Collection Sprinty. Alors, attention, suspense. Réussi pour le chocolat. Ah, hé hey. Avec quelle couleur? Tu te souviens? Orange. Quand c'est orange, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est... Moi, je suis méchant. Ça veut dire que ça va être la surprise mignonne. Ah, je vais t'aider. Alors... Ah, mais c'est le... C'est le frère de Gru, ça, non? C'est le blond? Dru, c'est le frère de Gru. C'est ça, ouais. Bravo. Bravo. Vous avez aimé le dessin animé? Oui. Moi, je l'ai pas regardé encore. Tu connais le nom, pas vu. Et maintenant, tu veux ouvrir ta petite pochette Disney princesse? Alors, hey, tu veux qui? Ariel, ta préférée? Ariel. Et toi? Mais moi, Jasmine. Le Jasmine. Hé hey, merci, Athéna. C'est Jasmine. Oh, youpi. J'ai de la chance. Oui. Alors, t'en as pensé quoi du jeu, Athéna? Bien. C'est bien, hein? Ouais. À deux, c'est bien. Et quand on va jouer avec Calice, ça va être encore mieux. À trois, ça va être encore mieux. On peut jusqu'à six personnes. Bah, à mon avis, c'est la... C'est les trucs derrière. C'est pas que peut-être c'est un petit peu dur. Ça, c'est un reine d'Aïnaï. Non, c'est Jasmine. Alors, Ariel, c'est dans quel dessin animé? Dans Ariel. Quoi? Ariel. La petite sirène. Oui, la petite sirène, ouais. Ah, moi, et comment s'appelle celle-ci? C'est Ariel. Non, parce que là, j'ai plus celle-là. Ah, merci Athéna. T'as réussi, bravo. Elle est super jolie. Et donc ici, et c'est voilà. Le personnage qui s'appelle, comme le nom du dessin animé, c'est Mulan. Eh oui, Mulan, eh oui. Mais moi, je te dis au revoir Athéna, mais toi, il y a beaucoup d'ambiance. Il y a plein de fans qui sont venus nous voir, c'est très sympa. Voilà, et puis nous, on vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Déjà Vu. Merci à Gigami de nous avoir envoyé cette boîte de jeu. Maintenant, on se retrouve demain sur Studio Bubble Tea. Bisous. Au revoir les petits copains. Eh bien, vous avez remarqué que c'est un petit peu compliqué cette vidéo. En tout cas, merci à tous les petits copains qui étaient là. Et merci à Gigamic pour ce jeu qu'ils nous ont envoyé.